Et allez, c'est parti, on est live ce soir en compagnie de Mathieu Baudet et Benoît Huguet comme d'habitude. Mathieu Baudet qui est cofondateur de l'Inera, une blockchain que l'on peut qualifier de nouvelle génération avec des caractéristiques que tu vas nous décrire pendant cette émission. Très très heureux de t'avoir ici. Je vais attendre quelques Merci. instants pour avoir des retours sur la qualité audio et vidéo. J'attends quelques feedbacks du chat. Et pendant ce temps, je propose que tu nous en dises plus sur ton background, qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu en es arrivé à lancer un Layer Ouais, tout à One. fait. Donc l'Inera, c'est un projet qui est une spin-off en fait. C'est une des spin-offs du projet blockchain de Facebook qui s'appelait Libra et ensuite Diem. Donc moi-même j'étais un chercheur en fait, un ingénieur chercheur ou ch ingénieur de recherche dans ce projet-là pendant à peu près depuis en fait dès le début du projet presque. Et avant ça j'étais ingénieur à Facebook donc travaillais sur des infrastructures hautement scalable pendant aussi plusieurs années. Et en fait donc l'Inera c'est vraiment inspiré des deux expériences. Donc des systèmes à haute scalabilité et le travail de recherche sur la blockchain donc que j'ai fait à Facebook avec d'autres co-auteurs et en fait du coup j'ai eu la chance de rencontrer des investisseurs juste après au moment où je suis parti de Facebook pour lancer le projet qui donc commence et on est en train de croître l'équipe, de faire croître l'équipe tout doucement, voilà, et voilà, on va proposer cette nouvelle blockchain, cette nouvelle Layer 1, avec des propriétés de faible latence, très performante et très scalable, un système multi-chain qui s'inspire énormément des systèmes Web 2, donc des systèmes web. Dont on sait qu'ils sont très très scalables. D'accord. Et quand on entend très scalable, on se demande est-ce que ces systèmes-là proposent des garanties de décentralisation, enfin d'une décentralisation qui est acceptable, etc. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant d'explorer un peu plus tard dans ce stream. Mais donc pour récap un peu de ce que tu viens de nous présenter, tu as passé 10 ans chez Facebook, mais plutôt 4-5 ans sur Libra, Novi, le projet de registre distribué de Facebook, de crypto-monnaie, pardon, on va appeler ça comme ça. Et après, Facebook a un peu abandonné le projet. Les assets ont été vendus à Silvergate, du moins les travaux du projet, je pense, enfin, il y a un fonds qui a racheté les travaux qui avaient été faits par Facebook sur Libra. Je me plante peut-être. Oui, alors moi j'étais pas non plus dans les secrets hein, du business, mais c'est ce que j'ai lu quelque chose comme ça dans les journaux, ouais, effectivement. Ouais, Enfin, la code base c'est est une vraie. globalement open source, la Ouais. code base a été globalement open sourcée et c'est repris par plusieurs projets. D'accord. Et donc, parmi ces ingénieurs qui étaient, ces ingénieurs chercheurs qui étaient actifs chez Novi, Libra, Diem, je ne sais plus quel était le dernier nom, on commence à voir on voit certaines de ces, voilà, certaines personnes qui travaillent sur ce projet fonder de nouvelles initiatives, de nouveaux Layer 1. On entend parler de Aptos, Sui, aujourd'hui l'Inera. Est-ce que tu peux donc nous expliquer succinctement qu'est-ce que l'Inera, quelles sont les caractéristiques principales de cette blockchain, commencer un peu à nous expliquer en quoi ce Layer 1 se distingue de ce qu'on a actuellement. En fait, l'Inera, l'idée de départ, en fait, c'est se dire on va reprendre un peu le problème à zéro en se disant ce qu'on veut faire, c'est vraiment une scalabilité, un passage à l'échelle compatible avec Internet, avec un trafic qui viendrait d'Internet, donc potentiellement des millions de gens qui se connectent en même temps. Et enfin, un peu comme ce qu'on voit donc, sur les grands systèmes, des grands systèmes. Type Facebook, Google, enfin on sait faire des systèmes très scalables qui donc procurent des garanties de performance et de robustesse, quelle que soit l'échelle en fait. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est en interne, il y a un sharding qui est caché des utilisateurs. Donc il y a les requêtes des utilisateurs sont,
sont en fait routés, sont, comment dire, donc, je vais avoir du mal avec le français aussi un petit peu, hein, mais bon, les requêtes des utilisateurs sont transmises, sont dispatchées entre plein de machines, et quand on a besoin de capacité, on ajoute des machines. C'est un peu comme ça que ça marche, le cloud dans le Web 2. Et donc, le point de départ de l'INERA, c'est de se dire, OK, bon, on sait faire dans le Web 2, mais maintenant, si on veut être décentralisé, jusqu'à présent, on oublie tout, quoi. On recommence et on utilise dans les systèmes actuels, c'est plutôt de l'exécution séquentielle, et on va se retrouver avec des goulets d'étranglement partout. Et en plus, si on se dit, oh, il faut de la capacité, on cherche à ajouter des machines, mais en fait, le système ne sait pas comment trop les utiliser, en fait. Et donc le point de départ de l'INERA, c'est de se dire, bon, alors déjà, on va partir de validateurs qui sont des data centers, qui sont scalable. De la même manière, donc, ce que je viens de décrire, dans le type Web 2, donc chaque validateur, il y a un front-end, il y a plein de workers, donc de machines, et on va être capable d'en ajouter au besoin. Donc, c'est une hypothèse un peu plus, évidemment plus forte, mais au final, on se rend compte que tout le monde est sur le cloud ces derniers jours, enfin, ces derniers temps, et donc les validateurs, ils vont utiliser un cloud provider, ils vont pas être évidemment pas obligés d'avoir leur propre data center, ils vont utiliser un cloud provider, il y a plein de solutions, il y en a une douzaine, donc on a quand même de la décentralisation, même si on utilise le cloud. Et maintenant, donc, si on a des validateurs qui sont capables de scaler de manière élastique, est-ce qu'on peut faire un système qui lui-même, un système décentralisé qui de façon globale et élastique. Et alors ça, c'est une question donc, qui était assez dure au niveau théorique, qu'on a attaqué il y a 3 ans avec mes collègues chercheurs de Facebook, et on a commencé par un système de paiement, parce que on ne savait pas faire mieux, en fait. On a regardé simplement comment faire un système de paiement, et on a vu qu'effectivement, on pouvait structurer. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est on structure tout le système autour de la notion de compte, de compte utilisateur, de compte bancaire, si vous voulez, et on les met tous à plat, et en fait, en interne à chaque validateur, on est capable de, qu'on va assigner chaque compte utilisateur à une machine, donc on a un sharding par compte utilisateur, et maintenant, quand un utilisateur veut utiliser le système, en fait, il parle à tous les validateurs en parallèle, mais il ne parle, dans chaque validateur, il ne parle que à la machine qui s'occupe de son compte. Et donc, c'est ça qui va faire qu'on a de la scalabilité. C'est-à-dire que deux utilisateurs qui sont en train de faire des manipulations sur des opérations sur leur propre compte, en fait, vont parler à des machines différentes. Ils ne vont pas se marcher sur les pieds. Par contre, c'est un système décentralisé au sens où on a tous les validateurs qui traitent tous les comptes et qui sont en parallèle, qui font le travail donc, de manière redondante, de manière répliquée. Et en tant que client, donc je parle quand je veux faire un transfert, je parle à tous les validateurs en parallèle, et ils vont valider ma commande. Donc il y a un système cryptographique, donc on obtient des preuves cryptographiques que, par exemple, on a assez d'argent sur le compte pour faire le transfert. Et ensuite, on agrège les signatures venant de tous les validateurs, ça fait un certificat. Et le certificat, dans ce système de paiement de l'époque, ce certificat, c'est déjà un peu comme un chèque digital. On peut montrer ça à quelqu'un et la personne voit que l'argent est déjà en mouvement, en fait. Et donc, ce système-là, qui s'appelait FastPay, c'était vraiment intéressant et assez différent, en fait, vraiment exotique, en fait, pour ainsi dire. Et le protocole de... Donc, dans les blockchains, on est habitué au protocole de... avoir un protocole de consensus, ça s'appelle. Un protocole pour se mettre d'accord quelle est la chaîne des blocs, etc. Et on avait perdu sa main. Et donc, dans le protocole initial de FastPay, on a un protocole de consensus extrêmement simplifié, en fait, qui fait que on était aussi capable de garantir une très forte réactivité dans le système. Pour bouger de l'argent de son compte, justement, on n'est pas obligé de passer par un même pool. On dit simplement au système, voilà la transaction que je veux faire. Donc c'est un peu le concept de base de l'époque, donc pour faire du paiement. Et dans l'INERA, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris ces concepts-là et on généralise. Et au final, ce qui est assez rigolo, c'est que au final,
ça ressemble beaucoup plus à un système de multi-chaîne. Donc, ça ressemble, en fait, au lieu d'avoir des comptes utilisateurs, comme je le décrivais à l'instant, on a pour chaque utilisateur une mini blockchain. Donc, sur le site, on a appelé ça une micro-chaîne. Et donc, on incite les utilisateurs à avoir leur propre mini-chaîne, mini-blockchain. Et le système, du coup, s'apparente à une multitude de blockchains en parallèle. Et chaque validateur a toutes les blockchains, travaille sur toutes les blockchains, est capable de prendre des requêtes sur toutes les blockchains et va faire son travail, comme je le disais au début, de sharder tout ce système-là, d'assigner en interne blockchain à des workers et va être capable d'ajouter des workers le cas échéant s'il y a plus de trafic dans le système. Et c'est ça qui fait la scalabilité. Donc, on part d'un système où la scalabilité, le passage à l'échelle est hard-codé, est built-in, est construit dès l'origine. Et évidemment, après, donc la décentralisation, donc c'est le fait qu'on a répliqué tous les validateurs, fait que personne n'a les clés de la maison. Donc, c'est le minimum requis, évidemment. Hein. Il n'y a pas de. Y a, personne n'est le. Ne, le ne, n'est capable de créer de l'argent de manière unilatérale dans le système. Et c'est ça qui fait donc du coup qu'on peut créer la confiance et qu'on est capable de créer un système financier comme ça sur Internet. Et après, pour ce qui est du modèle de confiance, parce que donc ce genre de système, traditionnellement, il faut une garantie qu'on peut résister à un certain nombre de validateurs malhonnêtes, mais jusqu'à un certain point. Donc là, en l'occurrence, c'est un tiers des droits de vote. Et là, on passe, mais là, on passe en fait dans un système classique MF. de. Ouais, on passe dans un système classique de proof of stake, où donc chaque validateur, avant de devenir un validateur, arrive dans le système, met en gage un certain nombre de tokens, et ça va lui donner des droits de vote. Et ensuite, si on le prend en faute, en flagrant délit de dérivation, d'essayer de tricherie dans le système, et ben on est capable de le punir. Donc de ce Oui, côté-là, en sachez, parce fait. qu'il y a tout un débat sur le slashing. Vous avez fait le choix du Oui. slashing. Alors, on va voir. Ça fait partie des choses qui s'ajustent en général quand les layer 1 sont ouais, en phase de rodage. Hein, c'est assez subtil, hein, évidemment. Je sais que c'est pas facile, c'est sûr. Hein, le slashing, c'est pas facile parce que les validateurs, quand on faut se mettre à la place d'un réseau qui essaye de se créer comme ça, d'une layer 1, les validateurs, c'est des gens qu'on aime bien, quoi. Ils Oui, participent au de système. bonne Et volonté, souvent, et bravo. aussi souvent, aussi souvent, Paf. quand même, enfin, souvent, ils sont quand même, en général, quand ils dévient du protocole, en fait, c'est pas intentionnel. Hein. C'est souvent parce que c'est plutôt un bug. C'est pas toujours Et une donc, du attaque, quoi. coup, Ça peut être une erreur plus qu'une attaque. C'est ça, souvent le cas, en fait. c'est souvent un problème. Donc, si c'est par exemple un problème de double signature, s'ils signent deux blocs à la même hauteur, peut-être que c'est parce que en fait, il y a eu une update en interne de software, quelque chose qui s'est mal passé. Et à un moment donné, il y a un process qui n'est pas encore tué, il y a le nouveau qui est là, les deux signent à la même hauteur. Pof, ça fait une preuve de tricherie. Et donc, d'après les règles, voilà, si on appliquait les règles les plus strictes, on pourrait les slasher directement. Sauf que, en l'occurrence, ça se trouve, le bug, en fait, c'est en interne peut-être un problème de déploiement, ou ça peut être aussi simplement, ça peut être aussi un problème dans le software de la blockchain. Donc, on peut se retrouver à slasher des validateurs à cause d'un bug qu'on a créé nous-mêmes en tant que contributeur principal d'un réseau. Donc, au début, c'est quand même un peu compliqué. Maintenant, après, une fois que le système tourne, ça peut être quand même, c'est quand même quelque chose à regarder sérieusement. Ouais. Et donc en Moi, fait, sinon. ouais, je t'en prie, Benoît. Non, vas-y, ça m'était une idée qui a l'air Donc, d'être en claire fait, tous les et bien ici. validateurs qui sont donc tous les validateurs sur le réseau Linera maintiennent ces micro-chaînes. Si je veux devenir en fait validateur sur Linera, je dois télécharger toutes ces micro-chaînes qui correspondent à l'historique d'activité d'un utilisateur. Sinon, je ne serai pas en mesure de répondre aux requêtes des utilisateurs. Je suis obligé d'être en connaissance de toutes les micro-chaînes pour pouvoir les mettre à jour, c'est ça? Alors ça, donc là, c'est intéressant, c'est que tu parles du problème de reconfiguration. En fait, comment les validateurs arrivent et enfin ils partent, enfin vont et viennent dans le système. Et alors,
d'un point de vue strictement théorique, en fait, dans l'INERA, les clients, donc quand ils gèrent leur propre chaîne, ils sont vraiment acteurs du système. Et donc, si un validateur manque, n'a pas, ouais, si un validateur manque de données, n'a pas certaines données, le client peut les pousser, peut pousser les données qui manquent. Donc, un validateur pourrait arriver et n'avoir aucune donnée, et en fait, les clients qui ont envie de lui parler, parce qu'ils ont envie de recueillir des signatures de ce validateur, vont lui donner les données qui manquent. Maintenant, ce n'est pas très sympa peut-être pour les clients, pour la communauté, parce que le validateur va faire travailler tout le monde. Et on peut évidemment penser que ça peut être mieux si le validateur arrive, il a déjà pas mal de données qu'il a récupérées en demandant directement aux autres validateurs plutôt que de faire travailler les clients. Et ça fait partie, ça c'est des optimisations que effectivement sur lesquelles on réfléchit. Enfin, mais ouais, c'est une bonne question. Ouais. Effectivement, dans un système, évidemment, dans un système multi-chaîne, ça fait un peu, il y a quand même un peu plus de travail quand on veut tout reconfigurer. Enfin, ou de manière générale, un système donc high throughput, un système avec beaucoup de requêtes. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de blocs partout qui sont créés en permanence. Donc je veux dire, on a les problèmes de, on a les, on a, ça pose les problèmes qu'on imagine. C'est-à-dire, évidemment, on veut plein d'utilisateurs qui se connectent, qui font plein de blocs en permanence. Ben, du coup, il va falloir les stocker, il va falloir les synchroniser. Mais c'est des bons problèmes à avoir. C'est ce qu'on veut. Enfin, c'est ça qui fait que le système est utile. De toute façon, si je résume, toi, tu viens du monde du Web 2 et même du monde de la recherche, de la science dure. Tu as eu l'habitude de travailler donc pour des boîtes qui ont un immense nombre d'utilisateurs. Facebook, je ne sais plus combien, mais c'est 1 milliard. Et donc, le nombre de requêtes, je suppose qu'il est stratosphérique. Donc, toi, je suppose que tu es un pro des bases de données. Ça, c'est les bases de données, ou en tout cas, ce genre de problématique dans le Web 2, vous savez faire. Et c'est ce que tu disais, c'était la scalabilité horizontale. C'est qu'en général, vous arrivez à doubler les capacités en doublant les machines. C'est ce que j'avais compris, Ça, grosso c'est modo, la de définition de ce qu'on appelle linear scalability, donc passage à l'échelle linéaire. En fait, peut-être c'est ce que tu viens de dire est vrai, effectivement. Donc, quand on veut, en fait, c'est de manière enfin, à haut niveau, en gros, on se met à la place de l'ingénieur, Malheureusement, enfin, de. c'est là que je suis. Je suis loin. Je regarde ça de loin, comme les hommes Oui, regardent les non, bien sûr, étoiles. non, mais c'est exactement ça. Donc, on se met à la place de la personne qui est responsable de manager le cloud, le validateur. Il voit arriver plein de requêtes utilisateurs. Il fait, ah là là, il faut que j'ajoute de la capacité. Et ben, dans un système bien conçu, il suffit d'ajouter des machines. Et en fait, si on voit qu'il y a 2 fois plus de requêtes qui arrivent, et ben, on double le nombre de machines et on est bon. Ce qu'on veut pas, et donc, ce Force, qu'on veut pas, oui. c'est il y a 2 fois plus de machines qui arrivent. Et pardon, 2 fois plus de requêtes qui arrivent, et en fait, on est obligé de multiplier le nombre de machines par 10 parce qu'il y a en Oui. fait il y a de la déperdition. D'un seul coup, tout le monde se met à communiquer de manière inefficace en interne, et donc ça, c'est un système moins bien conçu, Donc tant et on veut pas ça, voilà. ouais. Donc, Tant que vous êtes linéaire, on va dire que tout va bien. Je ne sais pas si ça pourrait optimiser plus, mais en tout cas, c'est ça. Ça, c'est le monde du Web 2, c'est ce à quoi tu étais habitué. Ensuite, de par ton travail, en fait, Facebook s'est intéressé. Et donc, toi, là, moi, une question aussi qu'on n'a pas posée, c'est pourquoi toi, tu t'es intéressé justement à ce monde du paiement, des des blockchains. blockchains, cette transition, en fait, quel intérêt tu as trouvé. Et donc, ça, c'était raison. Et ensuite, ton constat. Bon, mais c'était qu'on n'était pas au même niveau de développement en fait dans le Web 3 que dans le Web 2, en tout cas au niveau de la scalabilité. Et même si ça occupe beaucoup de gens, hein, parce que je veux dire, tu n'es pas le premier à dire ça, c'est-à-dire qu'ils sont, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience que les 7 transactions par seconde de Bitcoin, c'est un peu light. Mais peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience justement des super puissances type Facebook, Amazon, enfin du Web 2, quoi. Mais pourquoi donc déjà cet intérêt? Donc moi avant d'être à Facebook, en fait, j'avais une expérience dans le domaine de la sécurité informatique. Donc j'ai une thèse sur les protocoles cryptographiques. Et en fait, du coup, quand j'ai rejoint le projet Blockchain de Facebook, j'étais vachement content parce que c'est un peu le rêve, quoi, pour un ingénieur en sécurité. C'est vraiment des systèmes de sécurité. Enfin voilà, donc la sécurité est au cœur des systèmes. Et donc et avec plein de problèmes super intéressants et nouveaux, enfin c'est un peu la conquête de l'Ouest, quoi. C'est vraiment sympa.
Et en l'occurrence, j'ai trouvé que les protocoles de blockchain, y avait quand même des points en commun avec les protocoles que je connaissais dans les protocoles cryptographiques, de type, donc en l'occurrence, un protocole cryptographique, ça serait TLS, par exemple. Donc, c'est le cadenas dans les browsers. Donc moi, j'étais vraiment tout de suite super content de revenir comme ça à des problèmes de recherche en sécurité informatique. Ensuite, donc, effectivement, Les observations. quand on, ouais, non, après, effectivement, donc, ayant un background en système scalable, enfin, donc, dans tout ce qui est Web 2, et j'ai des collègues qui sont encore ultra sceptiques hein, sur la blockchain hein, pour toutes ces questions-là. Hein, c'est-à-dire que tu te dis, bah ouais, mais en fait, pour un ingénieur dans une compagnie comme dans une grande compagnie du web, quand tu conçois un système, s'il n'est pas scalable, tes collègues vont te dire, bah ouais, mais t'es gentil, mais ton truc, il va marcher 6 mois, et puis après, il faudra le refaire, parce qu'il y aura trop de requêtes, et on ne saura pas comment le maintenir. Et C'est des donc ça, trucs, c'est c'est... des technos d'amateurs. Voilà, il y a un côté comme ça, effectivement, les gens qui ont travaillé dans des compagnies avec beaucoup d'utilisateurs, donc à l'échelle Internet, disons. Ils sont pas forcément super impressionnés quand ils voient des systèmes qui, sur papier, du coup, ont des limites, en fait, des limites théoriques au nombre de requêtes, quelle que soit la limite, en fait, le fait qu'il y ait une limite, c'est critiquable, enfin, c'est suspect, disons, pour un ingénieur de ce type de background. Donc, forcément, ça nous a titillé. Donc, au début, on n'était pas, genre, on est, quand on a commencé le projet de blockchain de Facebook, on a fait comme tout le monde, on a fait une blockchain simple avec un protocole de type BFT. Mais dès qu'on a eu un petit peu de temps avec mes collègues, forcément, ça nous titillait. On s'est dit, bah, maintenant, si on voulait faire vraiment de Comment la on utilise? scalabilité de type Facebook, Google, comment on fait? Et c'était pas facile. On a, en fait, on a, Attends, au mais début. alors, avant d'en venir à ta solution, je suppose que vous avez fait quand même un petit tour du marché. Vous n'avez rien trouvé de satisfaisant? Alors. Genre dans les solutions existantes, Alors, après. Donc souvent, quand les gens arrivent à des solutions différentes, c'est parce qu'ils ont aussi des problèmes légèrement différents ou la manière de formuler les problèmes sont un peu différentes. Donc par exemple, un système qui est très populaire, une solution qui est considérée comme très prometteuse à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est Layer 2, donc avec les ZK Rollups, ou les Validity Proof, les preuves de validité. Oui, Donc c'est des c'est des systèmes, en techniques. fait, on part d'une chaîne existante comme Ethereum. Et là, alors, en fait, les règles du jeu, c'est on veut rajouter de la scalabilité dans Ethereum, mais on veut pas changer le système de, on veut pas changer Ethereum. Donc, si on part de ce principe-là, en fait, c'est super les layers 2, Oui, parce c'est ça. que du coup, en fait, on est capable de baisser les frais, donc tous les fees, on est capable de les baisser. Ça fait donc le principe de layer 2, c'est qu'on a toutes ces requêtes utilisateurs. Qui arrivent dans la layer 2, on les compresse, donc en utilisant des preuves cryptographiques, on fait une preuve de l'exécution de toutes ces preuves, de toutes ces transactions, et donc cette preuve-là, en fait, c'est un objet assez de taille fixe qui ensuite on peut simplement pousser vers la layer 1, et la layer 1 vérifie la preuve cryptographique, et d'une certaine manière, ça a gratuitement vérifié toutes les transactions qu'on avait compressées. Et donc c'est un truc assez miraculeux. Par contre, et notamment, ça ne change pas le modèle de sécurité de Ethereum, donc ça c'est assez beau quand même. Mais en revanche, au niveau de la latence, c'est pas, ça ne va pas le faire. Enfin, ça ne va pas être low latency. C'est-à-dire que le... Low latency, c'est Notamment, si régénérer, on regarde le régénérer temps la que ça preuve, c'est prend... le Ouais. temps. Ouais, Pardon. le temps de confirmation d'une requête au moment où elle arrive dans la layer 2. Donc, il faut qu'elle soit compressée avec un grand nombre de transactions pour que ça vaille le coup. Sinon, les frais sont trop élevés. Donc, il faut le temps de remplir un énorme bloc avec plein de transactions utilisateurs. Pendant ce temps-là, il faut aussi tout faire. Donc, faire la preuve d'exécution, tout ça, tout compresser. Donc là, il faut probablement un gros data center au passage pour faire tout ça. Et ensuite, on pousse la preuve sur la layer 1. Et là, la layer 1 donc, de type Ethereum, donc, elle a un même pool. Donc, il faut attendre que ça soit sélectionné dans un bloc. Etc., etc. Donc le trou, et surtout le gros problème, c'est simplement le fait que cette preuve-là à vérifier, ça demande beaucoup de gaz, de gas fee, comme ils disent. Ça dépend la preuve. Pardon? Ça dépend la preuve.
Non? Bah, c'est, enfin, quelle que soit la preuve, c'est quand même un objet cryptographique énorme. Donc il faut quand même imaginer le smart contract qui doit vérifier tout ça, enfin, qui doit vérifier tous les circuits et ça. Et donc, en fait, pour que la layer 2 gagne de l'argent, enfin, diminue les frais de l'utilisateur final, il faut vraiment compresser beaucoup de transactions pour que ça vaille le coup. Parce que comme on paye bien un coût Tarif de fixe route. de Ouais, vérification. des temps de vérification entre un Stark et un Snark, par exemple, qui sont des objets différents, et il y en a un qui coûte moins, enfin, qui est plus rapide à Ok. vérifier, et exponentiellement, enfin bref, c'était juste ça, c'était pas de. Ouais, Je disais pas que d'accord. Okay. c'était Non, juste non, ça. mais après, je pense que quelle que soit la solution, donc si tu pars du principe qu'il y a un coût fixe, étant donné la complexité quand même de la crypto, c'est un coût fixe qui est malgré tout assez élevé par rapport aux opérations traditionnelles d'un smart contract de Ethereum type Uniswap. Et donc, on voit qu'il va falloir compresser beaucoup de transactions d'un coup. Et du coup, et on n'a pas envie en fait de poster une preuve sur la Layer 1 trop souvent, du coup. Et donc actuellement, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est de l'ordre de l'heure en fait. C'est toutes les heures Ah oui, ok. qu'on poste une preuve. Donc du coup, bon voilà. Donc là, si on, donc on n'a pas changé le modèle de sécurité, mais enfin la confirmation en Layer 1, elle met 1 heure. Donc voilà. Donc on n'est pas tellement dans, donc on résout pas vraiment le même problème en fait. Sinon après. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ok. Il y a des systèmes de sharding. Donc ça fait longtemps que ça existe, que c'est regardé. Alors là, l'idée, c'est on part d'une blockchain donc traditionnelle avec un même pool, donc une chaîne de blocs, etc. Et on se dit, oh là là, en fait, on a trop de transactions. Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on la duplique. Donc on part sur une dizaine de blockchains. Et on dit aux utilisateurs, bah, utilisez la blockchain qui va bien, qui est peut-être plus près de chez vous géographiquement, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, donc ce qui est bien, c'est que chaque blockchain, elle a un ensemble, elle est comme d'habitude, et notamment, elle a des validateurs qui sont plutôt petits. Et ça a été pendant longtemps quelque chose que les gens voulaient. Je voulais vraiment que les validateurs soient du commodity hardware, donc du matériel qu'on trouve comme ça Pour le dans tout les venant. supermarchés, quoi. Et donc, étant donné les données du problème, c'était assez raisonnable. C'était assez raisonnable de dire, bah, on part de la solution qui marche une fois et on la réplique. Maintenant, le problème, c'est que évidemment, quand on rajoute plein de blockchains, au bout d'un moment, il y a tellement de communication entre les blockchains que le système en fait est lent et au final on a atteint une limite malgré tout. Et donc la différence avec Linera, c'est que donc dans du blockchain sharding, on a des blockchains indépendantes et quand elles se parlent au-dessus d'Internet. Il faut un protocole spécifique au-dessus de toutes les blockchains pour expliquer comment elles se parlent de manière sûre. Dans Linera, quand les micro-chaînes se parlent, en fait, c'est à l'intérieur des validateurs. Comme elles vivent dans le même ensemble de validateurs, pour se parler, en fait, c'est simplement des messages à l'intérieur des validateurs. Et ça, en fait, ça change tout. Donc ça pose aussi certains nouveaux problèmes théoriques qu'on a dû attaquer. Mais le fait que les messages sont à l'intérieur des validateurs fait qu'on peut donc rendre la communication entre chaînes extrêmement efficace et au final avoir potentiellement des millions de chaînes, en fait, des millions de micro-chaînes dans chaque validateur. La Donc, différence si je résume. c'est que sur un système comme Cosmos où chacun peut bootstrapper sa propre chaîne souveraine et faire ses propres affaires, et il y a tout un protocole de messaging entre ces chaînes qui a des implications en latence et en coût, vous arrivez à avoir vos fameuses micro-chaînes qui correspondent à l'historique d'action d'un utilisateur qui communique de façon efficiente et sécurisée avec une latence très très faible au sein en fait, voilà, ça gossipe entre les validateurs qui ont le même état des. Enfin voilà, les mêmes chaînes parallèles. Donc en gros, toutes ces micro-chaînes partagent le même set de validateurs. Alors que sur Cosmos, chaque chaîne souveraine a son propre set de validateurs qui n'a peut-être rien à Ouais. voir avec la chaîne B ou la chaîne C. Donc on ne peut pas leverage en fait le même genre d'optimisation et donc ça a des implications aussi au niveau performance, c'est ça? Ouais, bah, quand une blockchain veut parler, en fait, deux chaînes Cosmos qui se parlent, c'est à peine plus simple que quand Bitcoin veut parler à Ethereum, quoi. Enfin, il faut un gros protocole pour expliquer pourquoi une chaîne fait confiance à l'autre. Quand le message de la chaîne, est-ce qu'il va dans le même pool du receveur? Qui paye les frais? Et après, donc il y a aussi
Peut-être faudrait mentionner deux autres aspects aussi assez difficiles dans les systèmes de sharding traditionnels. Donc le premier, c'est la sécurité. Parce que comme chaque chaîne a un ensemble de validateurs distincts, en tant qu'attaquant, en fait, je peux choisir la chaîne ou les validateurs qui sont plus faibles. Donc ça crée quand même des opportunités pour un attaquant de se dire s'il y a des milliers de chaînes, en fait, il suffit que j'en trouve une seule qui a un ensemble de validateurs que j'ai un peu corrompu et je serais capable de créer de l'argent dans cette chaîne-là. Vous avez de la shared security parce que c'est le même validator set, donc il y a une sécurité économique de base dont le seuil est plus élevé vu qu'on partage le même set de validateurs. Alors Ouais, est-ce qu'on a nous, plein de chaînes? Ouais. Pardon. dans l'INERA, on rajouter des chaînes, ça ne rajoute pas les validateurs. C'est un peu donc rajouter des chaînes pour nous, c'est un non-événement au niveau sécurité. C'est un peu comme si tu disais la sécurité de Facebook diminue quand on rajoute des comptes utilisateurs Facebook. Bah non, donc il y a le côté trade-off sur la sécurité des blockchains, donc du bloc traditionnel, du blockchain sharding traditionnel qui a été quand même un sujet de discussion depuis longtemps. Et donc il y a des, enfin donc il y a des gens ont imaginé des solutions. Donc une solution possible, c'est de dire que en fait le blockchain sharding, il y a une chaîne principale qui est la vraie chaîne, et il y a d'autres chaînes qui font que du data sharding, c'est dans Ethereum, donc qui font que du stockage de données. Donc c'est une possibilité. Et ensuite le dernier sujet, donc quand même problématique quand on fait du blockchain sharding traditionnel, c'est le simplement qu'est-ce qui se passe si on veut changer les shards. Donc un compte utilisateur il est dans la chaîne A et on se rend compte que en fait la chaîne A elle a trop de boulot, on veut changer, on veut prendre des comptes utilisateurs les mettre dans la chaîne B. Bon, ça, c'est vraiment c'est compliqué parce qu'il faut que tout le système d'un coup soit d'accord pour changer le place à un utilisateur. Donc, dans l'INERA, c'est un non-événement parce que le sharding en fait n'est même pas visible des utilisateurs. Donc, chaque validateur a son propre système interne de sharding qui peut changer sans arrêt. Enfin, du coup, c'est élastique, il n'y a pas besoin de. C'est un non-événement aussi de rajouter des shards dans un validateur à l'INERA. Moi, ça me fait Ok. penser à deux questions. Donc, du coup, quand même, tu es un observateur aguerri de l'univers des blockchains, on va dire, historique. Hein. Tu as décrit, en fait, moi, ce qui m'embête, c'est que tu as décrit plus ou moins la roadmap de Bitcoin, pas de Bitcoin, d'Ethereum, et la roadmap d'évolution de la scalabilité d'Ethereum, et avec notamment les ZK Rollup et le sharding, enfin, en tout cas, qui sont des briques essentielles à la montée à l'échelle d'Ethereum. Et toi, de ton point de vue d'ingénieur et de spécialiste de ce domaine-là, ça te paraît, ils vont dans un parcours compliqué. En tout cas, c'est ce qui semble. Toi, tu sembles proposer une solution différente, peut-être plus élégante. Dans les compromis que j'ai compris, c'est que peut-être qu'il y a des requêtes au niveau des validateurs qui sont plus exigeantes en termes de capacité de traitement. Et il y a peut-être quelques compromis au niveau des sets de validateurs, de ce que je comprends. Mais ensuite, tu vas essayer de faire un parcours qui est peut-être moins semé d'embûches. Enfin, je suis à haut niveau, Ben, mais j'ai l'impression que après, c'est semé après, d'embûches. Le parcours de ce qui m'embête d'ailleurs, hein, je te le dis au passage. d'accord. Non, mais après, donc je pense, enfin, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Notre but, c'est pas donc notamment dans donc l'aspect la robustesse, enfin le donc le dans Ethereum, le modèle de sécurité, c'est quelque chose donc avec une seule chaîne, énormément de validateurs, ils sont capables de proposer des niveaux de censorship resistance, parce que historiquement, c'était ça l'ADN, quoi, hein, qui vient de Ok, Bitcoin, c'est de se ouais. dire, voilà, on est dans un mode, le truc, Faut il le faut que temps. ça soit répliqué partout dans le monde. En 10 000 exemplaires. Donc du coup, ça, c'est si tu dois stocker, donc pour faire du stockage de valeur, il y a quand même des bénéfices. Après, pour bouger des trucs très très vite, faire des trades, faire des donc des trades, des passer des ordres financiers, Des requêtes. avoir un système ultra réactif qui attribue des NFT, donc tout ce qui est NFT airdrops. Tout ce qui est intégration avec des jeux où les gens ils ont envie de voir le résultat de ce qu'ils font en temps réel sur la blockchain. Et surtout, ils n'ont pas envie de payer des frais élevés.
Bon, ben là, effectivement, je pense qu'il y a de la place pour des nouvelles architectures. Ok, et donc c'est là où vous vous positionnez précisément. En tout cas, Ouais, c'est sur une fiabilité plus rapide, ouais. Et en sur fait, mais je coût, pense que sur vraiment, il y a, charge. je pense que la différence, en fait, peut-être pour une analogie dans mon électricité, comme une différence d'impédance, enfin, la différence de réactivité entre une blockchain traditionnelle, donc où la lenteur, en fait, historiquement, c'était une bonne chose, parce que c'était ça qui faisait la sécurité. Et le monde d'Internet où tout va vite et on a énormément de requêtes d'utilisateurs qui viennent de partout, ben, en fait, quand les deux se parlent directement, ça ne se passe pas très bien actuellement et je pense que donc il y a de la place au milieu en fait, pour un système qui Ok. du coup serait ouais, toujours décentralisé, Ah mais voilà, donc moins de c'est ça. validateurs parce que donc là on va avoir des validateurs qui sont beaucoup plus gros donc on va pas en avoir 10 000. Faut voir aussi que ça n'a aucun sens au niveau des coûts opérationnels. Avoir 10 000 validateurs qui sont des data centers et qui traitent, on va dire, peut-être des milliers d'opérations par seconde, ça veut dire on multiplie tous les coûts par 10 000. Enfin, je pense que les utilisateurs, à un moment donné, ils n'ont pas envie de payer pour ça. Mais moi, alors, tu fais plaisir là, parce que moi, c'est une question que je me pose, donc vis-à-vis de la décentralisation, et il y a différentes écoles, hein, parce qu'on avait reçu Massa, et eux, leur objectif, c'était d'être les plus décentralisés. C'était leur positionnement. Moi, je me demandais s'il n'y a pas quand même une décentralisation optimale. Et l'image que j'ai, c'est les cadenas de vélo. Tu as besoin de mettre un cadenas, tu en mets deux. Voilà, au bout d'un moment, si tu as 10 cadenas, donc ça sert à quoi d'avoir un set de nœuds qui, à un moment donné, fait 100 000 validateurs si c'est au détriment des performances? Est-ce qu'il n'y a pas un compromis entre la décentralisation la plus extrême et une décentralisation suffisante qui va fournir des capacités quand même. Ouais. Voilà, donc c'est la question que je me pose. J'ai Bah, l'impression que vous faites c'est quand même un toujours. compromis. Vous faites quand même un compromis pour gagner en capacité. On est d'accord. Alors, bah, on va avoir donc on le d'une certaine manière le facteur de réplication va pas être 10 000, ouais. On est plutôt sur du 40-50 validateurs. OK. Maintenant, nos validateurs, on va quand même les ils sont quand même ils opèrent des chaînes qui sont des objets hautement cohérents. Et hautement auditable. Et donc on va voir après à quel point on est, enfin jusqu'où on va dans le système d'audit des validateurs. Ce qu'on sait, c'est que dans les mêmes raisons qui font que le système est scalable font que le système est auditable aussi à l'échelle en fait. Potentiellement par donc des gens extérieurs qui n'ont pas des non, eux n'ont pas besoin de data center. Il suffit qu'ils auditent une tranche du système. Et ensuite, s'il y a suffisamment d'auditeurs qui ont regardé des tranches et que toutes les tranches se recouvrent, au bout d'un moment, on a tout audité. Donc, c'est un peu ça le concept. Après, voilà, est-ce qu'on paye des auditeurs? Enfin, la question après, c'est est-ce qu'on paye beaucoup d'auditeurs pour vérifier en permanence tout ce que font les validateurs? Parce qu'on leur fait pas trop confiance ou est-ce que. Enfin, où on met le curseur, ça c'est quelque chose qui va être assez intéressant, qui va un petit peu aussi dépendre du marché, en fait, hein, ce que les gens veulent voir. D'autres, Donc évidemment, il y a aussi. Ouais. c'est un équilibre validateur-auditeur, le modèle de sécurité. Ouais. C'est-à-dire Mais que voilà, on n'est autant. pas dans un système. C'est pas la fête. Hein, c'est pas, j'allais dire la fête du slip. Mais bon, donc c'est quand même fortement. On est dans chaque micro-chaîne. Donc c'est une chaîne de blocs. Voilà, c'est ultra auditable. S'il y a des, on a aussi donc potentiellement, on est capable de backtracker si on trouve qu'il y a à un moment donné, il y a un bloc qui a forké. On pourrait. Ce qui est évidemment impossible dans le système de sécurité, dans le modèle de sécurité, mais bon, il y aura des procédures en place si jamais ça arrive justement à cause d'un bug ou autre chose. Et donc ouais, on utilise quand même le fait que, donc ça qui est pas mal, je pense avec Inera par rapport au système de paiement dont je parlais à l'origine, c'est que le fait qu'on se base sur des micro-chaînes, chaque micro-chaîne ressemble à une blockchain et donc on a l'expérience en fait de l'audit et de la maintenance en sécurité en fait, de système. Il y a une question dans le chat que je trouve pertinente. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui se passe si le nombre d'utilisateurs croît très rapidement, mais pas le nombre de validateurs? Est-ce que c'est corrélé, le nombre d'utilisateurs et le nombre de validateurs ou pas? Est-ce qu'il y a besoin Alors non, que. justement, c'est ça la grosse Oui? différence, c'est que nous, le nombre de validateurs, il est fixe. Par contre, si plein de monde arrive, en fait, on va leur demander d'augmenter leur taille, les validateurs, en allant voir leur cloud provider et en demandant plus de machines.
C'est un donc pays ceux qui gagnent capacité de plus traitement de chacun d'argent, des élèves. qui gagnent plus d'argent à travers les transactions qu'ils processent pour au moins rentrer dans leur coût. Parce que s'ils rajoutent des cœurs logiques ou enfin, des CPU, de la RAM, etc., il faut aussi que ça reste Ouais, quand même. et ben et en fait bon, c'est là où il va falloir qu'on fasse notre travail de j'allais dire homework, le travail à la maison, les devoirs à la maison, c'est que en fait mais c'est les cloud providers, ils ont une grille de facturation, enfin on connaît les coûts, la grille des coûts elle est publique, et donc ce qu'on peut faire c'est concevoir le système pour que tous les coûts soient budgétés. Donc, si plein d'utilisateurs envoient des requêtes qui forcent un validateur à augmenter sa taille, mais en fait, toutes ces requêtes-là, elles viennent avec des frais qui font qu'on paye tout de suite, on finance tout de suite l'augmentation de taille. Si tu as des mines de NFT à des heures H, en fait, et qu'il y a juste des spikes de transactions à faire, on ne va pas augmenter les spikes d'un validateur juste pour un événement qui dure 10 minutes. C'est chiant. Non, si. Ou comment Voilà, gérer ça? alors, pourquoi pas, hein, si c'est prévu à l'avance. Si c'est prévu à l'avance, parce que je pense que la personne qui fait son airdrop d'NFT à l'échelle mondiale, elle a envie que ça se passe bien, donc elle peut aussi passer un message. On peut imaginer un protocole, même plus ou moins, bref, hein, on peut imaginer un truc peut-être décentralisé où tu payes à l'avance pour de la capacité. Ouais, c'est intéressant ça. J'ai pas réfléchi encore vraiment trop comment faire Mathieu, ça. les chaînes comme Evmos, Solana ou autres, le CEO arrête pas de tweeter en demandant aux gens, pour l'amour de Dieu, mettez à jour votre client. Rien que pour mettre à jour à une version déjà vraiment Ouais. sérieuse, structurée. Alors, demandez aux gens d'augmenter leur spec en prévision d'un événement, ce qui peut arriver très régulièrement si la chaîne a du succès, et je te le souhaite. Ça peut être un challenge. Parce que déjà, les gens ne veulent pas mettre à jour le build, parce qu'ils le feront plus tard, ou ils ont des process de sécurité, ou les DevOps sont en vacances. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent. Et c'est vrai que c'est Alors, intéressant. ouais, mais donc après, c'est à nous de faire le travail de fournir le software au validateur qui fait que l'élasticité est facile. Enfin, elle est déjà là, quoi. Enfin, à la limite, on ne leur demande pas leur avis. Enfin, s'ils ont configuré leur compte à, mettons, Oui, ça se Amazon fait automatiquement. ou Azure avec une carte de crédit qui est suffisamment forte, ils vont augmenter en taille. Enfin, c'est à nous de fournir un software qui fait que ça va augmenter en taille selon les besoins du truc. Enfin, ouais, ça va être intéressant, ouais, de regarder ça, mais c'est effectivement, ouais, c'est assez nouveau. Et donc, pour le coup, ça, c'est vraiment le cœur du métier qu'on développe, hein. C'est vraiment nouveau. D'accord, mais ça c'est OK. intéressant. Alors, moi ça me fait penser justement à la question où en êtes-vous? Parce qu'il y a la phase en production, donc c'est sûr que quand vous serez en production, de toute façon les gens vous feront vivre l'enfer. Mais normalement, vous aurez une infrastructure qui aura été conçue supposément pour y résister, et je suis sûr qu'elle ira en s'améliorant. De toute façon, voilà, ça sera, vous venez d'un milieu où vous êtes quand même habitué au pic de charge. Je suppose que c'est le cœur de métier. Voilà. Mais il y a quand même un monde entre peut-être la spécification technique, les papiers scientifiques qui ont été les premières étapes. Je crois qu'ils étaient de 2020. Est-ce que tu nous ferais un petit historique des différentes avancées, où vous en êtes? Alors, je n'ai pas trouvé de roadmap, je ne sais pas s'il y en a encore, mais ne serait-ce qu'un petit historique déjà, et pour Sur savoir l'état de développement du projet, l'état de développement l'INERA, ouais. de l'INERA. Donc j'ai fondé la compagnie en décembre dernier. On a reçu les financements quelques mois après. Et donc pendant un moment, en fait, j'étais encore en train de faire la R&D sur le protocole. Et notamment, ce qui était sympa, c'est d'être capable de généraliser donc cette notion de micro-chaîne, hein, c'est un truc qui date de cette année, qui était vraiment récente et qui est vraiment sympa. C'est ça qui fait que le système du coup peut avoir des smart contracts, parce que dans le système d'origine qui Ah faisait que voilà, des c'était. paiements, on savait pas où mettre les on savait pas comment faire des smart contracts, donc on était un peu désolé. Et c'est pour ça que c'est resté un projet de recherche pendant 3 ans. Et donc avec l'INERA, en fait, ce qui est bien, c'est effectivement ce nouveau concept de micro-chaîne
Au final, qui au final est une généralisation assez modeste, mais il fallait, je sais pas, il fallait y penser. Apparemment, il m'a fallu 3 ans. Et Mais bravo, écoute, bravo, félicitations. l'idée, en fait, donc c'est ce que j'explique dernièrement, là, j'avais une conférence à Stanford Blockchain Conference, une présentation à la Stanford Blockchain Conference, et donc j'expliquais ça. Donc, je ne vais peut-être pas expliquer tous les détails là, maintenant, mais y a, on a déjà partagé certains des aspects du protocole qui sont nouveaux et qui valident Mais surtout les aspects techniques, le on design. invite chacun des personnes qui nous regardent à aller voir cette conférence. On pourra mettre le lien en description. Et, Excuse-moi, et je donc t'ai. on a un white paper on a un white paper aussi sur lequel on est en train de travailler qui va reprendre tous ces aspects-là. J'espère qu'il va pouvoir expliquer aussi un peu plus en détail hein, que la conf. Donc, c'est le white paper. OK, donc ça, c'est les spécifications. Alors, et tu as embrayé sur des questions qui, moi, m'intéressaient. C'était au niveau, on n'a pas vu les cas d'usage. Donc, moi, je me souviens dans les papiers, justement, de recherche, j'avais vu aussi qu'il y avait un focus sur la privacy. Donc, il y avait donc ce qui était smart contract, ça m'intéressait de savoir quelles étaient les capacités, en fait, de l'INERA. Quel était le focus sur la privacy? J'ai l'impression qu'il y a un focus assez poussé sur la privacy, en tout cas, dans ton second papier, Zef. Avec des jetons opaques. Enfin, j'ai vu des choses formidables qui, pour moi, sont restées très obscures, mais qui m'ont fait plaisir, qui m'ont fait plaisir à voir. Voilà, donc déjà un petit peu de Donc, chevaux de bataille. donc le papier, il y a un second papier de recherche qui effectivement prend le protocole d'origine qui s'appelle donc FastPay toujours, rajoute une couche De vie privée, de jetons privacy. opaques, opaque coins, jetons opaques, donc d'avoir être capable d'avoir de la monnaie digitale confidentielle. Donc c'était vachement sympa de travailler là-dessus. Donc déjà c'était une première généralisation du système de paiement d'origine. Donc ça nous a pas mal, donc ça nous a obligé à se poser plein de questions sur ce qu'on pouvait faire en fait dans ce système-là. Et on a été très content de voir qu'on pouvait rajouter justement de la confidentialité. Donc c'est assez sympa. La science est là. Après, d'un point de vue ingénieur, donc il y a quand même encore quelques questions parce que pour ce papier de recherche, on a fait au plus vite et donc on s'est rendu compte comme les librairies cryptographiques existantes, comment dire, ça coûtait un peu cher en CPU. C'était quand même un peu le temps de calcul était quand même un peu rude. Mais on nous a, enfin, je sais que, enfin, les chercheurs m'ont dit qu'on n'avait pas utilisé les derniers cris. Voilà. Donc, il y a encore pas mal de recherches. Enfin, si on voulait faire de la privacy, donc utiliser ce papier-là et le mettre dans l'INERA, c'est complètement possible. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que la recherche est là. Mais il y a pas mal de boulot en termes d'ingénierie. Puis ensuite, alors, et après, en termes de business, il y a quand même un travail à faire parce que pour comprendre comment vivre en paix avec les régulateurs, parce que C'est un donc, énorme problème, ça. vous avez suivi Oui, le drame de Tornado évidemment. Cash. Donc ça fait pas trop envie pour quelqu'un qui crée des systèmes. On n'a pas trop envie Mais de soyez finir en prison. courageux, soyez faites Et attention. disons, on aime bien quand les autres le font, mais quand on est soi-même Ouais, CEO, en fait, exactement. c'est moins rigolo. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on peut vivre en paix avec les régulateurs, mais il y a encore plus de travail à faire pour comprendre justement. Quel est le minimum de règles qui doivent être implémentées. Potentiellement, ça veut dire plus de travail, donc de preuves zero knowledge. C'est-à-dire que en fait, il faut rajouter de la traçabilité sous zero knowledge pour prouver que l'origine de l'argent, par exemple, n'est pas un état sanctionné. Donc ça, c'est le genre de travail qui nécessite quand même une équipe assez costaud en cryptographie. Donc c'est un projet à part entière. Donc c'est pas le, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra faire dans un deuxième temps. Dans l'INERA, pour le moment, on a vraiment regardé l'aspect scalability, low latency. Dans un deuxième temps, on pourra ajouter la privacy. Je pense que ça va être un truc assez intéressant. Et sachant qu'on est sur, donc je ne sais pas justement quel langage de programmation, il y avait des discussions à ce niveau-là et quelle était l'expressivité du langage. Est-ce que vous pouviez faire des. Voilà, à terme, on pourra faire
tout ce qui se fait ailleurs, par exemple. Parce qu'une des raisons du succès d'Ethereum, c'est le fait de pouvoir faire beaucoup plus de choses que sur Bitcoin. C'est une des clés de ce succès au niveau du La marché, Turing visiblement, Conclusion. ce qui est souvent employé à des fins stupides. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, les gens sont très heureux de pouvoir faire des AMM, des NFT, et tout un tas de choses. Donc ça sera possible Ouais. avec l'INRA. Alors, donc Avec. là, la couche d'exécution sur laquelle on travaille, effectivement, on va utiliser une VM générique. Donc ça on pourra programmer un peu ce qu'on veut. Après, pour tirer profit de la scalabilité de l'INRA, donc il faut à un moment donné aussi se poser des questions, comment on fait pour que les chaînes se parlent entre elles. Si on reste à l'intérieur d'une chaîne, par exemple, si tu prends un des trucs qui peut-être qu'on fera, c'est d'avoir une VM Ethereum dans l'INRA. Ça peut être assez sympa. Maintenant, évidemment. Même si c'est quand ça sera le cas, si tu prends une e-swap et que tu le mets sur une des chaînes de l'INRA, bah, il restera sur cette chaîne-là. Et donc il ne bénéficiera pas forcément de la scalabilité de l'INRA, puisque la scalabilité de l'INRA vient du mode multi-chaîne. Donc en termes d'expressivité, en fait, c'est un peu comme les gens veulent. Ouais. Ils pourront peut-être. Prendre du code existant ou des concepts existants et rester sur une seule chaîne, ou alors inventer des nouveaux protocoles qui sont sur plusieurs chaînes et qui vont scaler beaucoup mieux. Donc ça va être donc il y aura un travail assez sympa, je pense, quand on va s'attaquer au DeFi, d'inventer des nouveaux protocoles DeFi qui passent à l'échelle. Et donc par exemple un protocole que donc je sais qui marche déjà super, c'est tout ce qui s'appelle le request for quotes. Donc c'est l'idée, c'est Connais pas. de permettre à des utilisateurs de parler directement à un market maker et de lui demander un devis, donc une quote, et ensuite d'avoir un swap point to point entre l'utilisateur et le market maker. Donc ça marche, ça passe à l'échelle, c'est linéairement scalable, et low latency. Voilà. Et c'est pas exactement comme une e-swap, donc voilà, faut voir après comment on marie tout ça. Et Intéressant. une petite question pour des transactions basiques, le validateur n'a pas besoin de se concerter avec les autres validateurs pour mettre à jour la chaîne de l'utilisateur. Donc, c'est le premier validateur qui chope la transaction, qui la traite. Mais quand on interagit avec un objet partagé, par exemple un contrat intelligent ou autre, Alors, attends, l'opération basique, donc c'est le client qui dit à tous les validateurs en parallèle, voilà le prochain bloc pour ma chaîne. ah, d'accord, ok. Donc, Et avec un chaque validateur. validateur, donc chaque validateur isolément vérifie la proposition du bloc, la valide et renvoie une signature. Donc les validateurs en fait se parlent pas dans ce système-là, ce qui est intéressant pour pas mal de raisons. Client-side, il n'y a pas de gossiping entre les validateurs, c'est le client Non, qui doit non. envoyer aux 40 validateurs sa volonté Ouais. de mettre à jour sa chaîne storée localement chez ces validateurs-là. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait une erreur en parlant de parallèle execution, parce que si c'était le cas et qu'un validateur isolé pouvait faire les calculs sans. Ce serait un peu une forme de. Ah d'accord, ok, d'accord, je vois un peu le concept, d'accord, très bien, ok. Voilà, donc le client, c'est le leader de. Donc quand on a une chaîne qui est détenue par un utilisateur en particulier, c'est l'utilisateur, il agit comme un leader, comme un. C'est lui qui décide les blocs, sans se concerter avec personne. C'est ça qui fait que ça va aller vite. Donc il dit juste au validateur, voilà mon prochain bloc. Et il parle à chaque validateur en parallèle, et les validateurs, eux, ils se parlent pas entre eux. Ils pourraient, évidemment, on pourrait imaginer un peu de synchronisation entre les validateurs, mais si on en rajoute, c'est un bonus, c'est pas une nécessité dans le protocole. D'accord. Et les validateurs s'auditent entre eux et ils peuvent générer des preuves de fraude s'il y a un validateur qui fait n'importe quoi, c'est ça? Donc, si un validateur fait n'importe si, si un validateur signe deux blocs en conflit, Ou écrit par des exemple, c'est données ça? aberrantes, en fait. Comment ils s'auditent mutuellement, les validateurs? Qu'est-ce qui vérifie de l'intégrité de ce que font les gens sur ce système? Comment ça se passe? Ouais. En fait, chaque mini-chaîne, en fait, tu peux demander à un validateur, bah, donne-moi tout l'historique, quoi. Et tu vérifies tous les certificats, toute la chaîne. Et tu peux refaire le calcul si tu veux, comme d'habitude, sur une chaîne, quoi. Et si tu trouves un problème, hein, tu as une preuve que
Il y a un des validateurs qui a signé un truc qui n'a pas de sens, donc il y a une preuve de fraude pour ce validateur-là. Et il a un bonding sur la sèche. On a un bonding sur sa stake pour avoir le temps de générer, pour le punir. Il peut pas, il doit immobiliser du capital pour être validateur et ça laisse le temps de trouver la fraude, c'est ça? Ok. Bah là, on va la trouver. Donc là, le système traditionnel, c'est de trouver la fraude a posteriori, enfin trouver le problème a posteriori, et ensuite utiliser les mécanismes habituels du proof of stake, donc de punir le validateur. D'accord, ok. Alors là, ça rejoint, moi, c'est sur tout le modèle économique du système. Je suppose que les validateurs sont rémunérés, les validateurs déposent caution. On est dans un schéma de proof of stake classique. Hein. Donc, nécessité d'un token, évidemment, pour coordonner l'ensemble. Voilà. Là, vous Alors, en êtes ça, où à ce c'est niveau-là? une question intéressante, ça. Parce que, en l'occurrence, je suis d'accord. Effectivement, je pense que. Parce qu'on pourrait. C'est une question qu'on s'est posée d'ailleurs, enfin, que mes collègues se sont posés à Libra. Enfin, à Facebook, Libra, Diem, Novi. Voilà. Et en fait, quand tu fais un stablecoin et que tu fais un système proof of stake basé sur le stablecoin, et ben en fait, c'est un peu moins sûr qu'un système proof of stake sur un token qui n'est pas un stablecoin. Et la raison, c'est que en fait, quand tu as une monnaie native dans ta blockchain proof of stake, si un validateur, et donc il a plein de tokens, donc il en a peut-être, mettons, je sais pas, 3%. Et s'il fait n'importe quoi, en fait, il va. Donc, non seulement il prend le risque de se faire slasher, mais même s'il ne se fait pas prendre, en fait, le fait de faire n'importe quoi sur la blockchain, ça va faire baisser le cours de la crypto-monnaie. Et donc, il y a une punition, il y a une sorte de punition divine, hein, du marché, qui fait que les Et vice validateurs, en versa fait, s'il ils se vont. comporte bien. Et pardon, et inversement, si. Vice versa s'il Voilà, se comporte et bien. vice versa, s'ils font bien leur boulot, ils récupèrent des dividendes, de certaine manière, de la. De, Quand les blockchains tombent en panne, le prix ne tombe pas, hein. Il n'y a pas de corrélation directe C'est vrai ça entre en plus. T'es le pas prix des d'accord? C'est pas blockchains. vrai ça? T'as, Pardon? bah, je sais pas, Non, mais si, ce que tu. quand il y a moins 5 pour. Quand il y a certaines blockchains dont je tairai le nom qui se prennent à NFT airdrops et sont en panne pendant 2 heures, t'es en train de me dire le cours il baisse pas? Non, on en rigolait Franchement, souvent avec peu. Benoît, en fait, il n'y a pas de Ouais. lien entre les performances techniques d'un système et son prix en temps réel. Au contraire, on ne peut pas dump, Mais on ne je peut pas pense. vendre, mettre ses tokens sur l'exchange parce que la blockchain, elle est en panne. Donc, le prix, Ouais, mais le token, il est dans des échanges centralisés ailleurs. Tu peux toujours Oui, shorter. mais même ceux qui sont déjà sur un les sexes, enfin non, mais c'était pour la blague, bien sûr, mais il n'y a pas trop Ouais, bon. d'activité. C'est pour la Ça dump blague, mais pas. on a été sur. Ok. On te Bon, rejoint alors, sur c'est un le raisonnement sujet des théorique, on va dire blocs. ce que j'ai fait là. Mais. Non, mais, non, mais Non, mais si, on te ça a rejoint et beaucoup ça de doit sens. Je suis être. d'accord avec Ça, toi. sur un échantillon suffisamment grand, observé, ça doit être vrai, mais nous, on est tombé sur des exceptions. L'exception la plus Ouais. notable, c'était les attaques à 51% de la blockchain Ethereum classique. Il y avait Ethereum classique qui était attaquée, il y avait la blockchain qui Ouais. était en PLS, elle ne fonctionnait pas, et sur le marché, on ne voyait pas un mouvement de SIL, de ce ETC des Ok. enfers, qui aurait dû aller au sol, Ah ouais. et c'était impossible de voir. Et Parce par que moi contre, j'ai vu, bah je me rappelle quand même la première fois que Bitcoin, quand ils ont eu un fork, que ça avait pris un gros coup, hein. Oh, C'est mais il y a c'était quelques non, c'est années. 2013 là dont tu parles, non? Hein. D'ailleurs, Ouais, c'est depuis déjà les quelque gens, ils chose. sont blasés, hein. Ils se font, oh, il y a un fork, c'est pas grave. Oh non, pof, oh là là. Mais toi, tu t'es le nom, mais on peut regarder, tu vois, tu pourrais faire l'exercice avec Solana, qui a fait quelques petites pauses. Il y avait même Avalanche qui nous a fait, bon, il y en a plusieurs qui ont fait des pauses, et ce n'est pas toujours marquant. Après, je pense que si on regarde sur un échantillon statistique suffisant, on va se rendre compte que les gens n'aiment pas trop ça et ont tendance à vendre. Enfin, j'ose espérer, mais Ouais. ce n'est pas si évident, en fait. En pratique, en tout cas. Ok, Nous, on a déjà intéressant. regardé ça, parce que, évidemment, en spéculateur patenté, on se dit que peut-être il y a une blockchain qui est en train de faire la gueule, c'est peut-être le moment de la shorter ou de la vendre. Eh bien, c'est pas si simple. Le marché est souvent contre-intuitif. Hein. En Il général, est un sournois. unlock, c'est censé être bearish, mais ça, au contraire, c'est l'inverse qui se produit. Et le marché est super intéressant en termes de Apparemment, réaction. le merge, pareil, je n'ai pas d'intérêt à. Le merge a fait plonger Ethereum, j'ai pas compris ça. Bah, tout Je le pense monde pas que ce pensait que soit le c'était merge. bullish post-merge, ça allait pump parce qu'il y a moins de tokens qui vont être émis pour récompenser les participants du réseau. L'inflation
En théorie, elle passe de 5% annuel à 0,5%, quelque chose du genre. Donc la pression baissière des mines, en théorie, elle devrait être plus faible. En plus, il y a le IP 1559. C'est ultra sound money, comme on la qualifie. Mais voilà, c'est la monnaie déflationniste. Bref, beaucoup de gens attendaient cet événement et se positionnaient pour acheter. Forcément, si on a 10 fois moins de tokens pour récompenser les participants, ça dump moins, ça devrait mieux se comporter. Le marché a fait tout et allé à, voilà, a fait Ouais. De toute l'inverse, façon, forcément plus général. Ouais. toujours le problème quand tu as des informations sur les fondamentaux, tu sais pas si elles sont pricées, si elles sont dans le prix ou pas, en fait. C'est Donc, ça. Après, ce qu'on observe en ce moment, c'est que le marché, c'est la Fed. Hein. C'est clairement la Fed qui fait le marché. C'est-à-dire qu'en fonction des taux, c'est incroyable le comportement des non, mais cryptos. Et je vois dans les rien à voir mêmes. avec le merge Fed ou pas Fed, il est juste tout le monde était bullish dessus et l'inverse s'est produit. C'est souvent ce qui arrive. T'as une remontée des taux aussi qui est concomitante, tu vois. Donc, ce n'est pas évident de savoir quelle est l'origine de quoi. Il y a quelqu'un qui dit quand même, il y a Lagoon qui dit que quand même le bug de Pangolin sur Avalanche, ça avait saigné le. Ça avait, donc il y a une justice quand même, Mathieu. C'est-à-dire que quand même, Bon. je te rassure, donc c'est, voilà. Mais Peut-être comme il n'y a que pas de si je dis, justice. c'est peut-être que le fait que c'était buggé, c'était déjà dans le prix. Donc les gens voient, ouais, on avait raison, c'était buggé. Donc du coup, ça baisse pas. Je ne sais pas. Ou peut-être que tout le monde a perdu espoir sur certaines chaînes. Et que, hop, allez, c'est des chaînes de la foi, tu vois. Je veux dire, ce n'est plus, il n'y a plus de raison derrière. Ça, je n'ai pas d'explication. Bon, écoute, moi, c'est pas mal. J'ai une question assez simple. Donc, c'est une infra de dernière génération pour avoir, voilà, low latency, beaucoup de, donc peu de réactives qui traitent beaucoup, qui a plein de qualités. Il y en a d'autres sur la corde à linge en ce moment. Il y a d'autres. Comment vous vous distinguez des autres entrants? Je pense à Sui, Aptos, Celestia. Alors nous, on avait reçu des Français, Massa. Bon, et ensuite Ethereum et les Layer 2, tu en as parlé. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à cette nouvelle vague? Ouais, alors, donc c'est effectivement, je vois bien pour que tout le monde dit faire de la scalabilité. De toute façon, personne dit je veux faire une chaîne qui scale pas. Ou qui Donc, est sonnante et fragile. voilà ça. Donc, après, je pense qu'il faut regarder. Moi, quand j'essaie de comprendre comment d'autres chaînes fonctionnent, donc je regarde. Donc, si elles font du sharding, je regarde si c'est le même ensemble de validateurs pour les shards ou pas. Et donc, en général, c'est toujours chaque shard a son ensemble de validateurs spécifiques. Donc, ça veut dire que c'est du blockchain sharding traditionnel. Et donc, là, ça aura les conséquences dont on a parlé plus tôt. Ensuite, il y a des chaînes qui scalent, entre guillemets, c'est une seule chaîne. Et simplement, il y a des optimisations qui sont faites pour rajouter du parallélisme à l'intérieur donc du système. Donc, déjà, évidemment, toute une recherche s'est faite sur les protocoles de consensus, avec certaines innovations d'anciens collègues, franchement sympas, sur des protocoles à base de DAG. Bouchard. OK. Ouais, voilà. Ouais, donc ça résout quasiment le problème donc de scalabilité au niveau du consensus. Et après, du coup, tout le monde, la question c'est est-ce que comment on fait pour scaler l'exécution? Et là, effectivement, c'est quand on est dans une chaîne simple, l'exécution, donc on peut faire des choses, on peut essayer de deviner quelles sont les transactions qui sont indépendantes. Et les dispatcher sur des workers pour essayer de calculer ça, ou sur des, en tout cas au minimum, des process différents pour calculer plus de trucs en parallèle. Mais en fait, le truc, c'est qu'on peut faire ça, mais ça marche jusqu'à un certain point. C'est à un moment donné, il va quand même y avoir des flash loans au milieu qui vont pour le coup prendre un bon lock sur l'état global du système et qui vont bien ralentir tout. Et donc après, voilà, faut regarder. C'est pas facile parce que tu peux faire en laboratoire, tu peux faire des benchmarks avec des transactions qui sont tous bien indépendantes, qui ont été bien taguées, bien identifiées comme étant indépendantes. Donc du coup, ça fait briller ton système parallèle. Et puis dans la vraie vie, peut-être c'est un truc un peu différent qui se passe. C'est pas évident. Je pense que, mais enfin, de fait, ça va rester. Donc, ce qui est bien avec ces systèmes-là, c'est que pour l'utilisateur, c'est pareil que d'habitude. Il peut faire les mêmes programmes que d'habitude, et ça a l'air d'aller plus vite qu'avant. Ça, c'est bien. Mais disons, d'un point de vue, donc c'est un peu comme le pipelining dans les CPU. Enfin, c'est des trucs qui font
le bousin va plus vite qu'avant en disant plein d'astuces de paralysation qui sont que l'utilisateur n'a pas besoin de connaître. Aujourd'hui, sur Ethereum, tout est sérialisé. On fait toutes les choses une par une. On ne regarde pas s'il y a des dépendances ou autres. Donc, on ne peut pas avoir d'exécution parallèle sur plusieurs threads. Donc, c'est lent. Sur Aptos, il y a quelque chose où on a une exécution optimiste de toutes les transactions en partant sur le postulat que certaines ne vont pas être dépendantes les unes des autres. Et dès qu'il y a un conflit qui est détecté, on fait une réexécution. Donc, c'est ce qu'ils appellent bloc STM, je crois. Et pour SUI, il faut déclarer les dépendances d'une transaction. Lors de son émission, pour qu'après l'execution engine puisse ségréguer les transactions qui sont indépendantes les unes des autres et exécuter de façon parallèle celles qui ne sont pas dépendantes et exécuter de façon sérielle celles qui ont des dépendances ou quoi que ce soit pour éviter des abus. Il me semble que Solana aussi a un mode Ça s'appelle déclaratif. C-level. Ça s'appelle C-level, exactement. Et selon leur dépendance, les transactions sont dispatchées sur les multiples GPU des validateurs, les validateurs étant extrêmement puissants sur Solana, ils ont un framework de distribution de calcul sur plusieurs GPU. C'est pour ça que ça coûte cher de faire tourner un validateur. Ouais. Et donc non, mais ça, c'est des systèmes, c'est vachement intéressant et on le fera peut-être à l'INEA. Hein, donc, c'est assez orthogonal en fait. C'est ça que j'allais enchaîner là-dessus. J'allais dire, c'est assez indépendant en fait. C'est comment optimiser une seule chaîne pour avoir de l'exécution à fond les ballons dans un modèle. Enfin, vu de l'utilisateur, ça reste séquentiel, mais en fait, en interne, c'est paralysé. Et donc, ouais, ce qui va après, voilà, ce qui va, ça, faut juste voir que ça peut pas scaler indéfiniment, c'est des faits d'armes qui font qu'on est capable d'ajouter, de multiplier le throughput, enfin multiplier le nombre de transactions par seconde jusqu'à un certain point. Et après, au-delà de ce point-là, on ne peut plus trop faire. Parce que par exemple, le simple fait que donc, quand tu dispatches les tâches, à un moment donné, il faut les remettre ensemble. Donc il y a de la communication, il y a quand même de la communication qui doit se faire. Pour remettre tout le truc ensemble, mettre à jour peut-être le hachage de la. Donc, dans une blockchain, en général, il y a un truc qui s'appelle un Merkle Tree, donc qui est capable de faire remonter donc, des empreintes cryptographiques sur l'état global du système. Il y a une empreinte à la racine qui prend en compte l'ensemble du système. Et donc, dans le modèle d'exécution sur une chaîne, hein, donc cette empreinte-là, elle doit être mise à jour à chaque bloc. Et elle couvre tout. Donc il y a un nombre minimum de calculs que tu dois faire, quoi qu'il arrive, quoi. Il y a 10 000 manières. Après, il y a, enfin, on peut en parler. Il y a aussi les preuves de validité pour scaler des systèmes. Aujourd'hui, on arrive à les générer de plus en plus vite. Il y a 40 000 manières d'arriver à ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des compromis. Soit on perd la composabilité, soit on perd la réactivité de la chaîne parce que le temps de production d'un bloc, il est bottleneck par le temps de génération d'une preuve. Soit on fait, soit on fait, soit on fait, soit on fait. Et donc ouais. Et donc l'INERA, nous, ce qui nous intéresse, c'est le c'est hein, tout ce qui est c'est donc c'est plutôt le mode comment optimiser le mode multi-chaîne, voilà. Et donc avoir un truc par construction, donc si on est capable de séparer les comptes utilisateurs et de leur donner chacun une chaîne, en fait, on a une scalabilité comme ça un peu automatique, mais sur lequel il C'est va une falloir spécificité. évidemment, en fonction de l'application, il faudra réfléchir. Certaines applications, comme le paiement, se prêtent très bien à ce modèle-là, parce que c'est par là qu'on a commencé. D'autres applications, en fait, sont plutôt elles-mêmes de base séquentielles. Donc, dans ce cas-là, il faudrait trouver des alternatives. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment on modifie certains paradigmes pour que ça passe bien aux multichaînes. Quelles sont vos prochaines étapes? Ouais. Alors, je ne demande pas forcément de date, hein, peut-être pas, On va mais des essayer objectifs. de bah nous, on va essayer de mettre de mettre en ligne un white paper, quoi, pour expliquer surtout le côté multichain, quoi, qui est le cœur du projet, enfin l'originalité du projet. Et on bosse sur donc ça, et en plus c'est ce qu'on a prototypé, donc on est assez content, on est assez sûr d'avoir le bon truc. Et là on est en train de bosser sur le reste, tout ce qui est exécution, VM, donc pas mal de pain sur la planche, ouais, et encore en croissance, et on espère hein, pouvoir aussi open sourcer à un moment donné un devnet, quoi. Ça, c'est l'étape d'après, quoi. Et après Et testnet, vous regrettez le, tout le tout le tout le
Pardon? Vous recrutez aujourd'hui, quelle est la taille de vos équipes? On est là, c'est quelques personnes pour le moment. On est encore assez petit. Et Ouais. voilà. Vous Voilà. recrutez quoi, quel type de profil? Tout est en Rust chez nous. Pour le moment, on cherche des ingénieurs Rust, type back-end infrastructure. Évidemment, une expérience en blockchain, c'est un plus. On est en train de regarder activement tout ce qui est exécution. Une expérience sur des frameworks existants, ça peut être pas mal aussi. Et puis à terme, j'espère qu'on va pouvoir aussi diversifier, avoir des profils un peu, voilà, un peu plus variés, full stack, Web3. Ouais. Donc le. Et je t'ai coupé sur la nécessité, sur les incitations pour maintenir le réseau vivant et sur l'état de votre réflexion à ce niveau-là. Enfin, pas vivant, mais coordonné, Ouais. que les validateurs. Tout ça s'est fixé ou pas encore, le modèle de rémunération des validateurs, inflation, pas inflation, ce Bah genre de ça va choses. prendre du temps quand même, hein. Donc évidemment on y Ouais. réfléchit tout de suite, mais on va se, là ça fait partie des trucs qui sont potentiellement durs à changer une fois qu'on est en production. Donc ça fait partie des trucs que les gens en général mettent. Tu fais une première version pour le test net et tu te donnes un an pour tout bien stabiliser Là, et tout est encore possible, en fait. C'est pas, il n'y a donc pas on a le temps là, on d'aide a le temps de arrêtée. faire ça, on a encore le temps, ouais. OK. Mais de toute façon, ce sera un passage obligatoire parce que tu peux pas avoir de décentralisation sans un token qui coordonne les différentes parties prenantes, non? Et Libra, par exemple, vous n'avez pas besoin de token. Comment ça marchait d'ailleurs le modèle économique Mais c'était un con, il y avait des boîtes, il y avait 40 boîtes qui donnaient 10 millions de dollars et qui maintenaient C'était un un opérateur. stablecoin. C'était un stablecoin. C'était un Mais est-ce qu'il stablecoin permettait de avec. Hein? payer les fees? Enfin, il y avait un fonctionnement classique Ouais, non, c'était. Je ou... pense que c'était. Le but, c'était de faire. Dans mon souvenir, le but, c'était de faire une chaîne type Proof of Stake, avec néanmoins pas mal un process de vetting, donc un process pour recruter des validateurs qui étaient quand même qui étaient aussi assez administratifs, quoi, quand même. Donc c'était pas n'importe qui peut pas devenir un validateur comme ça. Oui. Il fallait quand même un système de, comment on dit, de background, de vetting, donc faut quand même un système de un peu de cooptation, disons. Et derrière la monnaie, le but c'était, alors il y a eu plusieurs versions. Au début, le but c'était de faire un panier de monnaie. Puis c'est devenu simplement le dollar, un stablecoin arrimé au dollar. Et voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai une question, pourquoi ça a échoué? Enfin, en tout cas, pourquoi ça n'a pas donné lieu et pourquoi tout le monde est parti? Parce que moi, à titre personnel, je trouvais ça super bien d'avoir un stablecoin dans Facebook. Je trouve que c'est quelque chose qui a énormément de sens. Et même si ce n'est pas forcément ce que j'aurais utilisé, je préfère Bitcoin, voilà, bon, peu importe. Mais n'empêche, avoir un moyen de paiement commun sur 2 milliards de personnes, je trouvais ça génial. Et donc, c'est la pression Ouais. réglementaire. Et vous n'avez pas peur que ça continue C'est aussi? moi, c'est clairement pas des raisons techniques. Et effectivement, il y a Ouais. un problème réglementaire. Je pense Ce qui fait que ça va que frustrer tout le monde à l'intérieur. Ça va peut-être on peut même frustrer. dire un problème politique à un moment donné. Hein. C'est simplement Ouais. le projet. Le projet a été un peu victime du manque de popularité de la boîte, hein, de la boîte mère, hein, de Facebook. Ouais. Vis-à-vis Ok. donc notamment les électeurs américains, je pense. Mais. Je sais pas, hein, si c'est tellement les usagers qui se sont plaints. C'est plutôt les décideurs qui se plaignent, les Ouais, usagers, c'est j'ai ça. Enfin, l'impression. les décideurs, ils suivent un petit peu l'opinion publique. Hein. C'est en démocratie. Oui, Donc, la polémique, quand tu ça ne. ressemble à ça. C'est assez dur pour. Enfin, ouais, c'était une situation un peu triste parce que finalement, je pense que le. Enfin, je pense que au niveau technique et au niveau du marché, il y avait, comme tu dis, il y avait la possibilité quand même de donner accès à énormément de gens à une blockchain de qualité. Je pense que ça a été aussi, d'ailleurs, dans le monde de la blockchain, il y a des gens qui étaient assez enthousiastes, qui disaient que ça pouvait vraiment être une porte d'entrée sur d'autres types de blockchain, d'autres types de produits.
Ben, disons que moi, Et enfin, au final. c'était une des rares fois où je voyais un grand groupe qui avait une approche cohérente. C'est-à-dire que, par exemple, les approches de Carrefour, où il s'agit d'avoir une supply chain, système d'information pour valider les œufs, ça, j'ai jamais rien compris. Par contre, le fait d'avoir un moyen de paiement et une stablecoin disponible pour 2 milliards d'utilisateurs, c'était limpide. Pour faire les Tu voulais cross-border, dire quelque cross-border, chose? les paiements frontières, Oui. transfrontaliers. C'était le cas d'usage ciblé au début. Simple, efficace, j'aimais bien. Et donc là, de toute façon, vous allez quand même vous profiter de toute cette, de tout ce développement pour lancer. Les projets vont naître. Hein. C'est quand même Ouais, le alors c'est fruit clair que de toute ça a recherche créé. qu'il y a eu. Ça a été un super. Je pense que l'écosystème a vraiment bénéficié de tout cet investissement. Ouais. En tout cas, ouais, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on peut attendre le DevNet de votre côté pour l'année prochaine. C'est bien ça. Il y a des. J'ai rien dit, moi. J'ai dit ça au pif parce que je me suis dit que là, c'est peut-être pas prêt pour l'automne, donc ce sera sûrement l'année prochaine. Ça fait un moment que tu bosses dessus, tu as déjà un prototype, donc peut-être l'année prochaine, 2020, non, 2024, j'en sais rien, je dis ça au pif. Et ce serait cool de pouvoir faire un suivi d'ici quelques mois pour voir où en est le projet, niveau avancement, etc. Je sais pas si tu as d'autres messages à partager avec la communauté, mais n'hésite pas, Mathieu. Ok, Sinon, non, bah, c'est j'ai bon. pas vu moi le chat, j'avais pas vu, donc je sais pas s'il y avait des questions, d'autres questions. On a essayé, il y a quelqu'un qui arrive en retard qui demande qui tu es, mais ça, je pense qu'il pourra regarder le début de l'interview. Ça fait 1 heure qu'on parle ensemble, donc il y a une présentation. Il y avait, oui, ton positionnement par rapport aux autres, tu as répondu. Il y avait une problématique de scalabilité par le nombre d'users et le nombre des capacités des validateurs. On a essayé de relayer un petit peu au fil de l'eau. Non, tout va bien, on a suivi les blocs, tout est bon. Donc voilà, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Mais Excellent. Moi, je suis très curieux. Hein, écoutez, moi en tant je pense qu'utilisateur, que normalement, nous serons les grands gagnants de ces innovations. on pourra faire un checkpoint d'ici quelques mois pour voir où le projet en est. En tout cas, c'était très cool. Comme d'habitude, la rediffusion sera sur YouTube. Il y aura tous les liens pertinents dans la description pour en savoir plus, les talks, les papiers, les médiums, tout ce qu'il faut pour se documenter sur la chose. Ce n'est pas un conseil en placement, comme d'habitude. Et puis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou laisser un commentaire. Si il ne vous a pas plu aussi, n'hésitez pas. Et je remercie tout le monde, notamment le chat, la modération, pour votre présence, pour votre participation. Et merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps. Et je vous dis à très très vite.